Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous ai annoncée il y a très très longtemps maintenant, la vidéo de mandala sur toile. Je vous le montre pas tout de suite, je vous laisserai le découvrir en speed drawing du coup. Je vais vous parler du matériel que j'ai utilisé. Bon, je pense que vous aurez remarqué mon petit changement capillaire, hein. Voilà, 20 cm de cheveux en moins, ça change. Bon, sinon, question vidéo. Déjà, je m'excuse pour la luminosité. J'ai dû allumer la lumière artificielle parce que la nuit commence à tomber et tout, mais je voulais quand même vous sortir la vidéo. Et du coup, pour le matériel que j'ai utilisé pour le mandala, donc j'ai utilisé une toile, je crois qu'elle fait 20 cm par 20 cm. Je l'avais acheté chez Action, ils les vendent par deux. Je sais plus le prix exact, mais je crois que c'est moins de 3 euros les deux toiles. Sur celle-ci, j'avais pas mis de gesso, j'avais fait le fond directement à la peinture, donc avec cette peinture-là. Hop. Je vous avais pas filmé le fond, je l'avais fait quand. En même temps que j'avais fait les petits chevalets pour la fête des mères que je vous avais montré dans une vidéo. Et du coup, il me restait de la peinture, donc je l'avais utilisée pour ça. Donc je n'avais pas filmé le fond. J'ai vraiment filmé que le mandala. Vous verrez à la fin de la vidéo, j'avais pas vu qu'il y avait une baisse de luminosité. Donc c'est un peu plus sombre vers la fin. Je m'en excuse, j'avais vraiment pas vu. Et sinon, j'ai utilisé aussi les classiques, un compas, une règle et un rapporteur, et un petit pinceau fin, d'ailleurs il a souffert, hein. Et de la peinture noire. Et du coup, sur ce, je vous laisse avec le speed drawing et je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout à l'heure.
Et donc voilà, vous avez pu voir la toile terminée. J'ai pas encore gommé les traits de crayon. Je vais voir pour m'acheter une gomme électrique. Je pense que ce sera plus simple pour gommer parce que c'est un peu la galère avec une gomme classique. Ça a tendance à, vous savez, à étaler le crayon et du coup, bah, c'est un peu la galère. Donc voilà, la fameuse toile que j'ai mis une éternité à faire. En fait, elle m'a pas pris beaucoup de temps en soi. J'ai dû juste le mandala, j'ai dû mettre peut-être, je sais pas, 3h30, 4h quand même, je pense, à peu près. Mais en fait, j'ai fait cette partie-là une première fois, je crois. Après, j'ai fait tout ce rajout-là. D'ailleurs, le motif comme ça avec les cercles, je m'étais inspirée du mandala mural que Sandra a fait dans sa chambre chez elle et qu'elle a fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vais essayer d'y penser pour vous la mettre en barre d'infos, si allez voir si vous ne l'avez pas vue. Et donc, je m'étais inspirée de ça, donc j'avais fait ça. Et après, je savais que je voulais une autre partie comme ça qui allait finaliser le mandala en fait, mais je ne savais pas exactement quel type de motif mettre et je crois que je suis restée au moins facile 2 mois sans y toucher à cette toile. Et puis un jour je me suis dit, j'ai eu une idée, je me suis dit, ah oh bah tiens, si je faisais ça, j'ai fait un brouillon et tout. Et du coup j'ai fait le tracé au crayon. Et après, pareil, je ne l'ai pas touché pendant au moins deux, je crois que j'ai mis au moins 2 semaines avant de le faire à la peinture et de le terminer. Et là, depuis. Ça fait. Bah, je crois que ça fait au moins 1 mois qu'elle est terminée cette toile, parce qu'après, je suis partie en vacances et tout, début septembre. Donc, je crois que ça fait à peu près 1 mois, mais j'ai un peu tardé, parce que le temps de faire le montage et tout, c'était assez long. Mais voilà, au moins, vous aurez enfin vu cette fameuse toile. Que je voulais vous faire. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ou même en message privé sur Instagram si ça vous plairait que je fasse d'autres vidéos de ce type-là. Ou si dites-moi si vous voulez que je vous fasse, je sais pas, un tuto mandala par exemple, vitesse réelle. Voilà, juste ce pinceau aura eu raison de ma patience et clairement je suis passée au stylo Posca. C'est bien plus précis, c'est bien plus simple que le pinceau. Bon, c'est pas le même prix non plus, faut se l'avouer. Mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai commencé à faire avec. Vous allez voir, c'est en avant-première. Donc comparé à ça, où voilà, c'est pas forcément très régulier, j'ai enfin commencé ma boîte à mouchoirs. Et là, je l'ai fait avec le Posca. Et vous voyez. Les détails, je peux faire des détails bien plus fins et c'est nettement plus précis quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai commencé à faire. Bon, j'ai pas terminé hein, du tout. Voilà, j'ai le dessus, j'ai encore les côtés à faire. Mais voilà ce qu'on peut faire avec un Posca. Là, c'est un MR, hein, donc c'est vraiment très fin. Mais voilà, je pense que je reviendrai plus au pinceau pour les mandalas. C'est trop la galère. Mais donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je suis toujours ravie de lire les commentaires que vous me laissez et de surtout d'y répondre. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous attends aussi sur Instagram, n'hésitez pas à m'écrire, je serais ravie de vous lire et de vous répondre et même éventuellement de discuter un petit peu avec vous sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je vais vous remettre mon compte Instagram dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis sinon. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je vais essayer de vous faire une vidéo aussi prochainement sur mes créations. Y en aura, ce sera en plusieurs parties. Je pense qu'il y aura une vidéo sur mes colos mystères que j'ai réalisées depuis un moment maintenant. Parce que ça fait depuis le début de l'art thérapie que je fais du colo, même si j'ai eu des pauses. Mais ça fait pas loin de 7 ou 8 ans maintenant, je crois, que j'en fais. Donc je ferai certainement une vidéo. Juste colo mystère, une autre vidéo colo hors mystère, et encore une autre vidéo où ce sera plutôt création autre, où je vous montrerai mes mandalas, mes toiles, voilà, tout ça. Donc voilà, j'ai encore les vidéos test aussi à vous faire, si vous voulez, les vidéos aquamarqueurs dont j'avais parlé. J'ai toujours pas testé mes crayons pastel de chez Comté à Paris, j'ai encore pas mal de trucs à faire.
Et là, je vais vous montrer le début. J'ai une toile à faire. En fait, c'est l'anniversaire de ma mamie bientôt. Et je la vois dans 2 semaines. Et du coup, j'aimerais bien avoir fini la toile. Donc, j'ai déjà fait le fond. Voilà. Vous voyez ça. Je sais pas si vous avez bien peur à la caméra. Là, ici, c'est du cuivré. Et du coup, c'est vraiment brillant. Et du coup, c'est vraiment le tout début. Hein. Voilà, j'ai encore du boulot. Je dois faire ça. Bien sûr, je vous ferai des photos avant de l'offrir, ou même une vidéo, je vais voir, je suis en train de réfléchir à voir si je ferais pas une vidéo un peu style vlog, où je pourrais vous mettre un petit peu des rushs sur l'avancée de cette toile, et voilà, et éventuellement d'autres rushs sur quand je fais du coloriage par exemple, ou quand j'ai un petit truc à vous dire sur le colo. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue avec le speed mandala, on va dire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à m'envoyer un message sur Insta. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Et puis sur ce, on se retrouve bientôt. Salut!